Eh bien, c'est là où les amis se mettaient en jeu pour l'épisode 3 de Tomb Raider. Et aujourd'hui, eh bien. On est en train. On a à peu près sorti du tuto. Et voyez les caisses que j'ai évité de récupérer, mais il y en a. Je vais attendre d'avoir la collecte de matériaux. Encore un sanctuaire. Donc on va attendre. T'as tué des loulous alors. Juste que je me fasse graisser. Voilà. Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Voilà. Il y en a un autre mec. Je voudrais juste de l'XP. Je voudrais juste un peu d'XP. Porte tourée là. On va aller voir moi. S'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. À en juger par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non, c'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Mais c'est pas assez solide. Quoi améliorer mon piolet? Il manque rien d'XP. On a juste que je bute un mec et puis c'est bon. Et puis après on s'en occupe, on récupère tout ça. Juste un loup. Okay, c'est bon. C'est ce qu'il me faut. Merde. Il est pas mort. C'est bon. Voilà. Ça devrait suffire. Voilà. Et maintenant, on va retourner ici au camp. Laisse lire. On va juste retourner au début. Puis je vais récupérer tous ces trucs. Ouais, c'est pas là, c'est bon. On va là du coup. On a une compétence, puis on va surtout pouvoir améliorer notre pelé. Je peux améliorer mon arc. Oui, je peux. Et ouais, ça va être bon. On va pouvoir peut-être. Tout ce qu'on veut, c'est la compétence. Voilà, collecte des matériaux. On va récupérer plus. Go. On va tout récupérer maintenant. Yeah. Et là, il y en a beaucoup surtout. Voilà. Ça c'est nice. On va faire un tour rapide. On va récupérer tout ça. Hop. On est reparti après. Hop.
Voilà. On peut améliorer l'arc. On récupère tout ça. Il y en a. Attention. Voilà. Putain, ils ont beaucoup de matériaux, c'est con. Vache. Tant mieux. Faire l'autre côté après de la zone, voilà. Comme très sombre, aïe, je peux y aller par là. Là, il y a encore un truc là. Voilà, et honnêtement on va pouvoir presque l'améliorer à fond l'arc pour le moment en tout cas. Il manque rien, il manque 38 je crois. Les acteurs de nos penchaient la tête vers le haut ou vers le bas afin que le masque exprime différentes émotions. Ok. Manque rien en matériaux. J'ai vu un truc là. Putain, il manque rien du tout. Mais bon, on va pas nous les donner comme ça. Un truc qui clignote là. Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Parce qu'il y en a d'autres, des trucs. On va pas s'attarder 2000 ans, mais. Mais bon, ce serait quand même bien d'en avoir le maximum. Pas être complètement largué niveau stuff. Si je rate des choses, vous pouvez me le dire, mais. Si vous en voyez. Mais c'est pas ma priorité, il y a le téléphone qui sonne, je suis désolé. Y'a des loups. Vas-y, fais-moi ce qu'il me faut là, pour mon arc. Ce serait vraiment très très gentil. Attends, il est où là, le monsieur? Je le hop, attendez. Non, non. Je ne veux pas décéder. Crève, enculé. Fais-moi ce qu'il me faut pour mon arc, ce serait vraiment gentil. Yes, nice, je peux l'améliorer. 200 et 250, il me fallait. C'est très gentil à vous. Franchement, merci. Merci. Bon, on est à jour, écoutez. On est bien. On est très très bien. On va pouvoir avancer sans problème. Ouh, la tige renforcée. Et la corde renforcée. Nice. Là, on est bien. On est très très bien. Allez. Ok, ouais. Je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Les yeux. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Je ne peux pas faire ça. Il n'a fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoir chamanique. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre.
Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. En effet. Incroyable. C'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Docteur Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Ah. Ah. Non. Ah. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Non, ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Daimni Pistaler. Иди. Пошла. Ты кем ты, enfin? Тихо! Лара! Хочу вас слушать, мочи! Не делайте им зла, я вас прошу! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Лара, ну! Окружить! Только попробуй, рыба. Мочите их! Bien, alors juste 3 jurons, les amis. Une nouvelle fois. C'est bon. Ok, donc on est là un peu dans la merde. Fuck, c'était pas cette touche là. Première mort. C'est pas ça que je voulais faire. Putain, mais attends qu'il passe le mec. C'est des russes. Non, rien. Rien ici. On continue à grimper. Tu es les autres. Tiens, comment est-ce que tu es, Koukla? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда Она тоже была порадочной стервой. Merde, ok. Bien fait. Je crois qu'il est mort. Oh mon Dieu.
On a tué le premier méchant. Je sais pas si c'est bas, il faut aller. C'est pas là. Ouais, j'ai le pistolet, mais j'ai pas de balle. Clairement, descendre là, non? Ah, j'ai plus de munitions en fait. Je peux rien faire. Je peux pas les embêter. Je crois que c'est le premier gunfight. Ouais. C'est le premier gunfight. J'en ai une. Elle est descendue par là-bas. Elle est morte. Je sais pas. Laisse tomber. On sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Elle a un flash. Il vise sa tête à brouter. Fuck, j'ai raté. J'ai raté sa tête, fuck. Ok. D'après que je rate tes têtes, tout va bien. Je parle si j'ai un peu de flèche. Enculé. Encore des mecs. Ah oui. C'est vrai qu'on peut faire ça. Ouh. Sérieusement, je l'ai raté. Ah non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais visé un peu en bas. J'ai cru que j'étais un peu en dessous de sa tête, mais c'est bon. Ah, il y a encore des mecs en haut. Téléphone cassé. Toujours les mêmes merdes. C'est quoi cette fois, un pétrolier? Non, un bateau de recherche sur. Je fais du violent donc. Ah merde, il y a des mecs. Hop, on mort. Plus de matériaux hein, de provoquer un combat des fois parce qu'il y a plus de mecs. C'est un de nos potes malheureusement, survivant qui est mort maintenant, le petit, le premier avec la casquette. Terrible, mais bon, c'est dommage pour lui. Merci pour l'échelle en tout cas. Lara, tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon dieu Ross, ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs, je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Yep. Parce que c'est un peu la merde, on va dire. Coordonnées. Quelqu'un qui peut les trouver.
cauchemar, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Je peux allumer le rayon flammeur, je pense, de ce stade-là. Ouais. Je sais pas, c'est pour le moment. Il y a sûrement des mecs. Hein. Je pense que je suis mal toi. Ok. Vraiment de la chance que je vise mal mon coco. Modifier son arme, c'est cool. On va continuer encore un tout petit peu. Ça c'est un défi. Voilà. Je vais aller améliorer mon flingue, donc je peux. Pourquoi s'en priver? Donc allons-y. Alors, chargeur. Augmenter les dégâts, c'est bien ça. Alors, on va prendre ça. Chargeur, je pense qu'on peut s'en passer. Nice. Ça c'est cool. On va continuer encore un petit peu du coup. C'est bien, on bute des mecs. Ça c'est cool. On peut pas monter sur ce toit. Si, je ne savais pas qu'il y avait ça là. Pourtant j'ai fait le jeu plusieurs fois, j'ai plus de 80 heures dessus, je savais même pas qu'il y avait ça là. Mais écoutez, je viens de découvrir un truc. Ça c'est cool. Puis en plus c'était un gros coffre, je suis sûr qu'il y en a un là maintenant. Ça c'est nice. Allez. Donc là, je vais mettre un coup de flèche pour pas faire trop de bruit. Un grand coup quand même. On va y discret. Hein. Parce que là je crois que ça craint ici. On va faire attention. Ouais, j'ai pris ces trucs. Et le mec là. Je pense qu'on va être obligé de fight à un moment. Ah, il est mort là, je crois. Ouais. Oh putain. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ok. Je suis mort. Bon bah ouais, il y a les violons. Non, s'il faut il y a les violons. Parce que j'ai pas l'impression de me faire ferrer pourtant. Donc s'il faut y aller violents, on va y aller violents. Je lui décède. Je lui fais une flèche dans la gueule, voilà. Il était peut-être plus facile. Merde, mon joueur. Ah,
Il y a un autre mec en fait qui est là-bas. Oh fuck. Il y a un autre mec qui est plus haut en fait, qui me met de côté. Ça va chier là. Ça va chier de ouf. Oh sérieusement là? Bon bah il y a des violents hein. Le truc c'est qu'il y a du feu en fait, donc on peut pas trop. Ok, il est là le gars. Mais il est mort. Ok, je me casse. Je me casse de là. Il y avait encore peut-être un mec, mais je me casse de là. Là, il suffit d'y aller en délicatesse, comme on dit. Bah voilà. C'est maîtrisé. Bon, il aura fallu quelques essais, mais c'est pas bien grave. En tout en finesse. Voilà, pour le défi. On va essayer juste de récupérer ça, puis on va s'arrêter. On va améliorer notre arme aussi. Je peux descendre apparemment. Quel est l'intérêt de descendre? À part ça. Un éventail en soie. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Ah, on est retourné en bas en fait, ok. Ok, je pouvais pas y monter. C'est pas vraiment ça que je voulais, c'est plutôt ça moi. Pour aller chercher le truc. Peut-être raté d'ailleurs la dernière lanterne. C'est pas impossible. On va voir si elle est plus loin ou pas. Je suis monté là ou je sais même plus. Non. Un bois de compétence, nice. C'est un gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide. Sûrement du bois de cyprès. Ok, nice. Il y a un point de compétence, c'est cool. Il n'y avait pas un feu de camp là? Ah, il n'y avait pas de feu de camp en fait. Fuck. Bon, bah, écoutez, du coup, on va s'arrêter à voir cet épisode. Merci à vous, les amis, de voir. Suivez cet épisode 3. Salut à vous et à la prochaine.